Allô? Avez-vous vu les enfants? Vous êtes qui? Oh putain! Waouh! Oui, allô? Avez-vous vu les enfants? Mais vous êtes qui à la fin? Robert, c'est toi? Merde. Avez-vous vu les enfants? Avez-vous vu les enfants? Avez-vous vu les enfants? Oh, et puis merde. Après tout, c'est pas mes enfants. J'en ai trop vu, je me tire. Et hello les survivants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film mi-horreur, mi-thriller, sorti en 1979. Qui a créé une des ouvertures les plus terrifiantes de son époque. Imaginez-vous, dans une grande et bien belle maison. Votre but ici est de garder des enfants qui, en ce moment même, sont en train de dormir. À l'étage. Il n'y a pas un bruit dans cette grande maison. Pas de bruit de pas, pas de crépitement, pas de voix. Rien. Vous êtes seul dans cette grande maison. Enfin, presque seul. Soudain, le téléphone sonne. Vous décrochez et vous entendez comme une respiration au bout du fil. Une respiration lente et inquiétante. Puis, une question sur un, une seule. Avez-vous vu les enfants? Bienvenue dans Terreur sur la ligne. Terreur sur la ligne, ou en version originale, When a Stranger Calls,
soit « Quand un étranger appelle », est un film d'horreur et thriller américain, sorti en 1979 et réalisé par Fred Walton. Fred Walton est un réalisateur et scénariste américain né en 1949. Il a réalisé plusieurs téléfilms pas très célèbres et un autre film d'horreur nommé « Week-end de terreur ». Son meilleur film n'est autre que « Terreur sur la ligne ». Un remake a été fait de « Terreur sur la ligne » sorti en 2006 et mis en scène par Simon West, qui est selon moi un peu moins sauvage et terrifiant que l'original pour son époque. Maintenant que vous savez tout, passons au scénario du film. Tout se passe dans une grande maison, durant une soirée où une babysitter, nommée Jean Johnson, garde des enfants d'un couple marié qui dorment à l'étage. Cependant, quelque temps après que les parents sont partis, Jill Johnson va recevoir d'inquiétants appels d'un inconnu qui lui répète systématiquement la même question. Êtes-vous allé voir les enfants ? Bobby ? Êtes-vous allé voir les enfants ? Attention, c'est à partir de là que je pourrais spoiler un peu. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu le film et qui veulent le connaître dans son intégralité, je vous conseille de partir jusqu'ici. Le film Terreur sur la ligne se compose en trois parties. La première partie, qui est la plus célèbre, est le commencement de l'appel du tueur à la babysitter Jill. On peut dire alors que l'ouverture a été un tournant pour les films d'horreur. La seconde partie est une course-poursuite entre le tueur et la police. Après que le tueur ait réussi de s'échapper de l'asile où il était enfermé, qui est plus considéré comme étant une partie de film thriller. Et enfin, la troisième et dernière partie est un retour à l'horreur de la première partie qui cette fois cloue la fin du film. Ce qui est intéressant dans la deuxième partie, durant donc la course-poursuite, c'est que contrairement à l'ouverture et au twist final du film, on ressent de l'empathie pour le tueur, qui est ici montré comme un pauvre être qui est perdu et qui essaie enfin de résister à l'envie de recommencer à tuer et de pouvoir débuter une nouvelle vie. Je prends par exemple la scène dans les toilettes, quand Kurt Duncan, qui n'est autre que le tueur, nu devant un miroir, tombe fou de chagrin après avoir compris ce qu'il a fait et ce qu'il est. Cette scène nous montre qu'en chacun de nous, malgré la folie qui règne, nous possédons tous un côté bon comme un côté mal. Malheureusement, cela ne l'empêchera pas de continuer sa folie meurtrière. Terreur sur la ligne n'est pas le premier film où le tueur utilise un téléphone pour harceler sa proie. Il est dépassé sur ce coup par Black Christmas. Cependant, la différence étant que dans Terreur sur la ligne, l'appel vient directement de l'intérieur de la maison, ce qui en fait tout son suspense original. Dans le début ou même fin du film When Stranger Calls, tout est fait à la perfection pour vous faire frissonner. Comme les différents plans de caméra qui se succèdent à chaque bruit étrange dans l'habitat, afin de nous mettre dans la peau de la victime comme pour nous faire deviner d'où vient ce son étrange. Mais aussi la musique empathique qui joue avec des violons un air de panique ou de curiosité. Et enfin, l'amplification du son du téléphone quand celui-ci sonne pour nous faire sursauter. Allô ? Êtes-vous allé voir les enfants ? Docteur Mandrakis ? Évidemment, c'est le docteur Mandrakis. Le début du film a inspiré plusieurs autres films d'horreur, notamment Scream.
Tony Beckley, qui joue le rôle de Kent Duncan sur le tueur du film, était atteint d'un cancer durant le film. Il va malheureusement mourir 3 jours après la fin du tournage. Selon moi, le film garde de très bons souvenirs horrifiques. Cependant, il y a aussi quelques défauts, comme par exemple la qualité de l'image qui n'était pas exceptionnelle. Mais bon, en soi, cela ne m'a pas trop dérangé. Puis aussi, quelques effets qui ont été selon moi un peu ratés, et en particulier un qui m'a fait un peu rire. Au moment où la babysitter décide de partir de la maison, elle tombe en ouvrant la porte face à... Ça. Non, pas ça. Ça. Non mais comment voulez-vous rester sérieux face à cette gueule pareille? Bon, après, la même scène a été refaite dans Scream. Mais on voit qu'est-ce qu'il prend? Sidney, reviens! Écoute-moi, bon sang! Sidney! Sinon, le film est sous son ouverture, reste un classique du cinéma d'horreur, et un bon moment de frayeur à passer seul ou entre amis. Le cauchemar touche à sa fin. J'espère que cela vous a plu. Personnellement, je vais voir si les enfants sont toujours vivants. Je vous souhaite de passer une bonne nuit. Et surtout, n'oubliez pas que ce ne sont pas les films d'horreur qui font nous défouler, mais qui les belges, c'est un peu plus créatifs.